moi j'adore les couteaux. Et je ne savais pas que c'est Thiers était la capitale de la coutellerie. C'est la première fois que je visite le musée de Thiers, de la coutellerie, et je suis tout étonné de la diversité de vos collections. Les couteaux, ils sont très beaux et il y en a qui coûtent cher et qui sont historiques. Je suis venu à Thiers parce que j'ai acheté un Thiers en Champagne-Ardenne. J'ai acheté au... Voilà, et on s'est dit, en retour de vacances, on s'est dit, tiens, on va s'arrêter à Thiers, on va découvrir tous les couteaux Thiers. Il faut aussi trouver des indices, et après, il faut trouver le couteau mystère. Et après, si on a trouvé le couteau mystère, eh ben, on a une surprise. Je viens pratiquement une fois par an, et je trouve que ça fait des progrès chaque année. Hein, on en apprend un peu plus chaque année. Les explications sont meilleures, plus intéressantes. Qu'est-ce que tu as aimé? Les couteaux suisses, t'as vu? Oui, le musée avec les expositions est très, très intéressant pour nous. Nous sommes d'Allemagne et visitons l'Auvergne. Je pense que le fait qu'il y ait le petit jeu incite les enfants et même nous, les adultes, à découvrir. Ben moi, j'aime bien les couteaux. Je voudrais bien m'en acheter un et je cherche justement celui qui va m'aller à la main. Non, c'est bien, ça mérite d'être vu, quoi. Oh, j'aurais ça chez moi, je serais comme vous, je les mettrais en vitrine. Et mon petit-fils a trouvé très intéressant la démonstration. Hein. On a vu qu'il y avait un musée du couteau. Et puis c'est pas la première fois qu'on vient. Donc Thiers, mon patrimoine, c'est joli. Donc il y a la grande scie. Hein. Là, il faudrait une lame, donc une lame, on n'en voit pas trop. Parce que celui-là, il n'y a qu'une. La démonstration, c'était intéressant. Je trouve aussi les réponses techniques des. Tous ceux qui font les présentations sont aussi de bonne qualité. La salle tout en bas, oui. Enfin, avec les effets sonores et visuels, c'était intéressant. Le bruit, la puissance inférieure à 5, là, c'est... on n'ose pas imaginer combien c'était avant. Ce qui m'étonne là le plus, c'est l'exposition, quoi, la variété de tous les couteaux et dérivés. Il y avait un ciseau bizarre, il était grand et... Grand comment? Grand comme ça. Les couteaux, mais... fabrication, les couteaux. La vie dans le temps était très dure. Hein. Ce n'est pas d'histoire ancienne, ça continue. Et ça, je suis heureux de l'apprendre parce que je ne le savais pas. Je croyais que Thiers, c'était plus qu'un beau souvenir. On reviendra, certainement, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir, des choses intéressantes.